Bonjour et bienvenue dans notre cadre de porte, un balado portant sur l'éducation. C'est là les conversations que tu as avec un ou une collègue pour partager un succès, une bonne idée ou des anecdotes drôles ou moins drôles. Nous sommes Jolaine Arsenault-Batic et Stéphanie Craig du CSAP en Nouvelle-Écosse et nous espérons que vous trouverez nos conversations de cadre de porte aussi intéressantes que les vôtres. Merci beaucoup, Éric, d'avoir accepté mon invitation à venir dans mon cadre de porte. Aujourd'hui, je t'ai invité parce que tu fais peut-être les choses autrement avec tes élèves en salle de classe, puis j'aimerais ça que tu nous en parles. Mais peut-être avant, tu pourrais te présenter puis nous dire un petit peu ton cheminement de comment t'es arrivé où tu es aujourd'hui. OK. Alors, moi, ça fait quand même assez longtemps que j'enseigne. Je suis allé à l'Université à Chicoutimi. J'ai fait mon bac en éducation là. J'ai enseigné dans le Nord 3 ans. J'avais des classes jumelées dans 2 villages inuits. Ensuite, je suis arrivé en Nouvelle-Écosse et en 1996, je me suis joint au CSAP. Je suis allé chercher une maîtrise en éducation à l'Université Sainte-Anne en enseignement du français langue seconde. Et ensuite, un certificat en enseignement du plein air. Puis, j'ai beaucoup d'intérêts en sciences aussi, des intérêts personnels. Puis aussi, j'ai appris à aimer enseigner les sciences au cours des années, plus que toute autre matière, les sciences et les maths. J'aime bien aussi enseigner le français. J'ai fait beaucoup de projets en français avec les élèves. J'ai écrit des livres avec des élèves et tout ça. Mais dernièrement, c'est les sciences puis les maths qui m'intéressent. Et c'est pour ça que j'ai bien voulu prendre le poste lorsqu'il était offert d'enseigner 7e et 8e année, le poste de 7e et 8e année en numératie. Alors, ça fait déjà quelques années que j'ai ce poste-là. Je le partage avec une autre enseignante à l'école qui enseigne le côté de la littératie. Et oui, c'est ça. C'est là où j'en suis rendu. Puis peut-être juste pour clarifier pour ceux qui ne savent pas, c'est que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a combiné les cours de sciences, maths et technologies en 8e, puis sciences, maths en 7e, afin de les enseigner plus de façon intégrée. Puis la même chose du côté littératie, où est-ce que les enseignants en 7e et 8e ont français, DPS, développement personnel et social, les arts plastiques et les sciences humaines, afin de pouvoir rejoindre un peu plus les élèves. Exactement, oui. Alors, tu disais, oui, c'est pour ça que tu es rendu, ça fait quelques années que tu les enseignes comme ça, ces blocs-là. Oui, alors, nous, à notre école, on a l'opportunité de diviser les groupes en blocs le matin et l'après-midi. Alors, en début d'année, j'avais les 8e années le matin pour toute la période jusqu'à l'heure du dîner et les 7e en après-midi. Et là, on a changé ça juste pour faire... Parce que enseigner toujours les mêmes élèves chaque matin, juste pour faire un changement, au milieu de l'année, on alterne avec les horaires. Alors, présentement, j'ai les 7e pour le matin et les 8e l'après-midi. Alors, j'enseigne les maths, les sciences et la techno. De façon générale, c'est en salle de classe, mais j'essaie de créer beaucoup d'opportunités pour aller à l'extérieur. Avec des activités de plein air dans lesquelles j'intègre certaines notions qu'on a apprises en salle de classe, comme soit en sciences, soit en maths, et de démontrer ou d'étendre ce qu'on a fait en classe d'une manière pratique avec des activités qui sont à la fois motivantes pour les élèves et aussi pour sortir avec COVID, là, justement, là, pour sortir de la salle de classe. Mais même sans COVID, être dans la salle de classe tout le temps, c'est pas toujours l'idéal. Sortir dehors, ça fait du bien. Et les élèves aiment bien ça. Oui, parce que tu le faisais avant COVID, sortir dehors avec tes élèves. Alors, pourquoi c'est important pour toi de planifier justement ces moments-là d'apprentissage avec les élèves à l'extérieur de la salle de classe? Bien, personnellement, j'aime ça. J'aime ça aller à l'extérieur, mais je me suis aperçu aussi que les élèves aiment ça. Les élèves aiment aller dehors, ils demandent « Ah, il fait beau, vas-tu dehors? » Alors moi, je leur dis oui, mais on a toujours une raison pour y aller. On ne va pas juste dehors pour s'asseoir au soleil.
D'ailleurs, des fois, on planifie des activités, puis il ne fait pas vraiment beau, bon, il va quand même. Par exemple, on a fait des sorties en vélo, il y avait un petit peu de pluie, mais on a fait notre activité quand même parce que c'était planifié. Alors, je trouve que en salle de classe, avec les volumes, avec la théorie, puis et même certaines activités pratiques qu'on fait en salle de classe, c'est bien. Mais un complément à tout ça, c'est de les amener dehors et faire en sorte qu'ils soient capables d'apprendre et de mettre en pratique ce qu'ils ont appris en classe. Je vais donner un exemple avec le vélo. Si je fais l'étude du cercle en mathématiques, je vais utiliser le vélo pour approfondir ça, donner des situations pratiques, donner des occasions aux élèves de résoudre des problèmes. On va faire l'étude de la roue, l'étude des engrenages, on va mesurer la circonférence de la roue, calculer la vitesse du vélo par rapport à la vitesse à laquelle on pédale, par exemple, en calculant le ratio ou le rapport qu'il y a entre les différents engrenages de la roue arrière puis des pignons avant du pédalier. Alors, si vous élèves, par exemple, on est en train de pédaler maintenant environ à 60 tours minute, on a un engrenage en avant, il y a tant de dents à l'avant, la circonférence de la roue à l'avant mesure tant, circonférence de la roue à l'arrière mesure tant, les engrenages. On va établir différents ratios, différentes vitesses, puis on va mettre ça des fois en tableau. Alors là, on revient en salle de classe, on va intégrer la technologie, on va utiliser des feuilles de calcul, par exemple, et aussi présenter les résultats sous forme graphique. S'ils travaillent en groupe, alors chaque groupe peut avoir un problème et présenter la façon dont ils ont résolu le problème. Alors, ça fait un peu comme des groupes d'experts, si on veut. Ça, c'est juste un exemple avec les vélos. Quand ils font leur graphique, leur graphique représente quelque chose pour eux. Ils voient vraiment le lien de qu'est-ce que ça signifie aussi. Exactement, oui. L'autre chose avec les vélos, je fais un petit cours de mécanique, mécanique 101, si vous voulez, là. Puis on reprend les principes qu'on a appris auprès des leviers. Alors, c'est aussi fascinant de voir qu'il y a beaucoup d'élèves de cet âge-là qui n'ont jamais touché un outil et ils n'ont jamais changé un pneu. Quand on parle des pneus, j'enchaîne, mais quand on parle des pneus, on peut aussi parler de la pression, on peut parler du roulement, on peut parler de la friction, on peut parler des roulements à billes qu'il y a dans les moyeux. Alors, dans le cours de mécanique que je fais avec eux, on va toucher à ces résultats d'apprentissage-là. Sur la friction, sur la réduction de la friction ou encore l'augmentation de la friction. Hein. La friction, des fois, on veut la réduire pour certaines raisons, hein, aller plus vite, réduire l'effort, mais aussi, des fois, on veut augmenter la friction. On va avoir beaucoup de friction, les freins. Alors, on va freiner, mettre beaucoup de friction sur les jantes des pneus ou sur les disques, tout dépendant du type de vélo qu'on a. Aussi, on veut peut-être plus d'adhérence. Alors, on va enlever un petit peu d'air dans les pneus selon le terrain, le sentier qui est emprunté. Alors, hors sentier, on va des fois enlever un petit peu d'air. L'hiver, des fois, on va enlever un petit peu d'air, mais il faut faire attention. Là, on vient avec toucher un autre principe. Alors, avec le froid, l'air va prendre un peu moins d'espace, n'est-ce pas, dans les pneus, dans la chambre à air, et les pneus deviennent un peu plus mous. Alors, on touche à toutes sortes de principes. Alors, puisque moi j'enseigne les maths et les sciences de 7e, 8e et aussi par extension, je fais aussi le cours de 9e année, je peux établir beaucoup de liens. Hein? Je peux dire, vous savez, l'an dernier, on a fait ceci et je trouve que ça fait une bonne continuité, un bon continuum. Oui, c'est Voilà. vraiment bien ça. Ouais. Une autre chose que je fais, je les amène à la pêche l'hiver. Alors, et aussi, je les amène faire de la raquette. Alors, quand on parle des forces, on va parler de la portance aussi que la neige peut avoir, quand on parle des raquettes, on va parler aussi de la force qui est appliquée au centimètre carré, et cette force-là va varier selon la grosseur de la raquette et selon la masse de l'individu. Et la portance de la raquette sur aussi les différentes qualités de neige. Hein. Il y a toutes sortes de choses possibles à ce niveau-là. Le ski fond, c'est la même chose. On va parler de la glisse, on parle de la friction, on va parler de comment le ski de fond est fabriqué, pourquoi c'est un arc qui est
convexe. Quand le ski est à plat, c'est convexe. Lorsqu'on met le poids sur un ski, le ski s'écrase et la façon dont la texture du ski est faite en dessous fait en sorte que c'est une écaille de poisson. Alors, lorsqu'il y a un mouvement ou une force vers l'arrière, ben ça grippe dans la neige. Tandis que si on distribue le poids également sur les deux skis, ben le milieu du ski ne touche pas la neige et c'est le bout, les deux bouts du ski qui touchent la neige et ça, c'est des surfaces des glisses. Alors, on étudie le ski, on étudie la technologie, l'ingénierie du ski, beaucoup d'ingénierie, comment le ski est fait, pourquoi il permet, pourquoi cette flexion-là est importante et comment ça fonctionne. Hein? Alors, il y a des forces de friction et des forces de gravité aussi qui vont faire en sorte que le ski, la tension qui est dans le ski va, il y a une compression qui se fait avec, en allant pêcher sur la neige, bien sûr, on voit les mesures de sécurité avant de se rendre sur une Oui. surface glacée, la neige blanche. Mais, on va percer des trous de différents diamètres, par exemple, et on va faire des prédictions. Quel outil on va utiliser pour percer? Est-ce que c'est une taraude avec un diamètre de. C'est 6 voix en pouces, là, on peut convertir en centimètres, de 8 pouces, de 10 pouces, de 12 pouces ou de 6 pouces. Alors, certains élèves vont dire que la taraude qui est plus grosse va être plus facile. D'autres vont dire, ben non, plus grosse, ça va être, c'est plus difficile. Ils ont leur hypothèse. Après ça, bien sûr, ils font leur trou, puis on a une petite discussion après, ben pourquoi, qu'est-ce que vous en pensez? Lequel a été la plus difficile? Quel a été le plus facile? Alors, ils se rendent bien compte que c'est la taraude qui est le diamètre, le plus petit diamètre qui est plus facile à utiliser. Et là, on revient encore à la friction. La surface, hein? Et on revient encore avec les notions de surface d'un cercle. Alors, le diamètre, surface du cercle est beaucoup plus petit. Quand on perce dans la neige, il y a beaucoup moins de friction qu'une taraude avec un diamètre de 8, 10 ou 12 pouces, qui aura une plus grande surface. Alors, c'est facile à comprendre, et surtout quand tu le fais, tu le pratiques. Et rendu en classe, après ça, on peut faire des liens plus facilement avec le contenu du cours, les notions, les races qui sont dans le programme. Alors, c'est d'établir des liens comme ça. Comment tu fais exactement pour créer ces liens-là? Que je pense qu'il y a des personnes qui se demanderaient comment tu arrives à penser à intégrer, comme là, tu parlais de la raquette, tu parlais de la pêche, tu parlais du ski de fond, puis moi, j'ai fait du ski de fond, puis j'ai jamais pensé au principe que tu as mentionné par rapport à la construction comme telle du ski. Mais qu'est-ce qui t'inspire à pouvoir justement penser à ces différents liens-là? Ben, c'est premièrement, c'est chercher à trouver une façon différente d'enseigner. Et moi, je veux créer des occasions d'amener les jeunes à l'extérieur. Alors, pour leur donner des différents milieux dans lesquels ils peuvent sont en mesure d'apprendre les notions qu'ils ont besoin d'apprendre. C'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est sûr que je fais pas une activité à chaque semaine, mais au fur des ans, je me ramasse avec une banque d'activités où j'ai plus besoin de préparer mon activité à part de donner une feuille de consentement aux parents parce que j'ai mon matériel, j'ai mes sites, j'ai mes contacts et ça demande un petit peu de travail au début. Par contre, c'est comme toute chose, c'est petit à petit, une chose à la fois. On développe une activité et là, on évalue. Est-ce que les élèves ont aimé cette activité-là? Est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Est-ce que c'était plaisant? C'était quoi les barrières qui nous ont empêchés? Est-ce qu'il y avait des risques? Est-ce que les risques acceptables? Alors, une fois que tu as tout évalué ça, que tu as préparé ton activité, que tu as fait l'activité, tu la places en banque. Right? Au fur et à mesure que les années passent, comme je disais, ça fait longtemps que j'enseigne, j'ai plusieurs idées Oui, il me et semble que c'est ça. j'ai vu un certificat de reconnaissance passer au sein de notre conseil scolaire par rapport à tes années d'enseignement. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais oui, je pense exactement. que tu mentionnes, c'est un bon point, que tu ne vas pas tout changer dans une année, mais peut-être prendre un module que tu es en train de travailler dessus ou une unité, puis de dire, OK, comment est-ce que je pourrais peut-être le peaufiner un peu pour ajouter d'autres éléments qui seraient différents de ma routine habituelle?
Et aussi, ce qui est important comme enseignant, je pense qu'il est important d'utiliser ses forces et ses connaissances. Ouais. Premièrement, c'est souvent nos passions qui vont nous conduire à faire certaines choses. Et si on est passionné par quelque chose, ça va se transmettre auprès des élèves. Si on est passionné par quelque chose aussi, ça, c'est plus du travail, ça devient facile, tu sais. Je fais des choses avec le hockey. Malheureusement, je ne peux pas toujours amener mes classes, mais au hockey, juste parce que c'est des coûts qui sont prohibitifs. Mais des fois, je vais utiliser des exemples par rapport à ça en sciences, parce qu'il y a eu plusieurs garçons et quelques filles aussi, de plus en plus de filles qui jouent au hockey et qui sont capables d'établir un lien personnel avec certaines notions. Justement, quand on parle de la friction, quand on parle des leviers, quand on parle de la force, quand on parle de l'inertie, les différentes lois de Newton, tout ça peut rentrer en ligne de compte. Alors, c'est de prendre ses passions, c'est prendre que ce soit n'importe quoi. Hein. Il y a toujours un lien à créer avec ce qu'on peut faire en sciences, en maths et aussi en littératie. En littératie, ça serait. Oui, puis je me souviens, il y a une fois, j'avais été dans ta classe, puis justement, tu faisais des liens avec le camping. Puis je pense que c'était Oui. pour la chaleur. Donc, oui, c'est un bon point que tu dis que c'est important d'utiliser ses forces parce que peut-être moi, je connais rien de la pêche ou pêcher sur la glace. Alors, peut-être que l'expérience serait moins riche si moi, j'essayais de répliquer la même que toi, au lieu d'aller avec des choses qui m'intéressent puis que je peux aller plus en profondeur avec les élèves. Oui. Puis aussi, comme il faut comprendre que moi, quand j'amène des élèves, souvent, c'est sur une période de 2 ou 3 heures, hein, en après-midi ou en Ouais. matin, parce que les blocs sont comme ça. Mais je fais pas de l'enseignement explicite pendant 2 ou 3 heures. Il y a du temps un petit peu de perdu à s'organiser, à les règles de sécurité. Mais je vais prendre un 15, 20, des fois 30 minutes pour vraiment cerner ce que je veux faire ou cerner l'apprentissage que je veux faire. Le reste du temps, en vélo, ben, on fait aussi une balade. Ils font Oui. de l'activité physique. Ils Oui. apprennent ils ont appris des règlements de sécurité et ils vont se souvenir de ça. C'est ça l'important. Si on va dehors juste pour faire des activités qui sont que des activités d'apprentissage continu, ça devient, c'est moins plaisant. Alors, c'est important quand on planifie l'activité, dire oui, OK, alors voici le temps d'apprentissage de mon activité, mais aussi pratiquons l'activité, faisons du vélo, faisons de la marche, faisons de la randonnée, pêchons. Alors, en camping, quand j'amène les septièmes, parce que c'est souvent les septièmes, je fais le module sur la chaleur, alors on va pratiquer différentes choses lorsqu'on est en camping. On va fabriquer des petits fours, différents petits fours, on va les tester, on va utiliser différents combustibles, on va les tester, on va prendre différents contenants pour voir quelle forme de contenant va mieux faire bouillir de l'eau, par exemple. Alors, on va faire différentes expériences comme ça. On va ramasser des données. Des fois, je vais avoir soit un Chromebook ou soit mon téléphone, puis là, les élèves vont me donner des données. Moi, je les ramasse. Ils n'ont pas besoin de les ramasser. Des fois, il y en a qui veulent le faire, qui veulent le ramasser aussi. Tout dépendant de l'activité. Et après ça, on peut revenir en classe, puis prendre ces données-là, puis après ça, les interpréter. Mais c'est ça aussi. C'est prendre ses passions, faire un lien avec ce qu'il y a dans le programme, préparer une activité, suggérer une activité aux élèves, puis justement, faire cette activité-là. Ça n'a pas besoin d'être gros, ça n'a pas besoin d'être grand. Ça n'a pas besoin d'être loin. Tu peux faire des activités dans la cour d'école, dans le quartier. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont dans des situations urbaines, puis c'est pas toujours facile de se déplacer. D'autres écoles sont plus choyées à ce niveau-là, sont près d'un bois ou près d'un parc, quoi que ce soit. Ouais. Puis, combien d'élèves que tu as dans ta classe? Parce que peut-être que je pourrais penser que tu en as juste 5, alors c'est plus facile à faire, ou tu as combien d'élèves? 22, 19, 22, 22 et 19. 22, 7e, 19, 8e et j'ai 10, 9e. OK. Les 9e aussi, j'ai fait des activités en 7e, puis en 8e. Là, je l'ai juste un cours en 9e, mais
maintenant, hey, nous aussi, on... c'est pas parce que Parce sont venus dans les blocs intégrés. ils ont Ouais, vécu les activités l'année passée, puis ils aimeraient les continuer en 9e aussi. c'est ça, ouais. Ouais. Puis donc, d'habitude, d'une année à l'autre, tes groupes se situent pas mal autour d'une vingtaine d'élèves. Ouais, dernièrement, OK. oui. Fait qu'au moins. Il faut souvent avoir un accompagnateur ou une accompagnatrice. Alors, en OK. début d'année, c'est important d'essayer de trouver quelques personnes qui sont en mesure d'aider. Ça peut être aussi au niveau de la direction de l'école, de la direction adjointe, des aides d'enseignants qui peuvent être libérés. Des fois, ça peut être d'autres profs, si c'est juste une activité qui est courte. Oui. Très très loin. Alors, des fois, il peut y avoir un prof qui a une période libre, ça l'intéresserait de participer. Puis... Et souvent, non. Souvent, il y a des parents qui sont vraiment voulants de le faire. Il faut faire un bon choix, par contre. Il y a des parents, des fois, qui vont. Moi, justement, c'est arrivé à quelques reprises que j'ai amené des parents, ils s'attendaient pas vraiment. Il y avait une idée de ce qu'on faisait, mais ils s'attendaient pas que peut-être de faire telle ou telle chose, leur rôle comme accompagnateur. Faut bien préparer les parents accompagnateurs pour qu'ils sachent dans quoi tu les embarques là, réellement Exactement. dans cette Des activité-là. sorties qui sont d'une certaine durée, puis des sorties qui demandent peut-être un effort physique. S'il y a des parents qui ont jamais ou peu fait de vélo, puis tu veux les envoyer faire une activité de 2 heures en vélo, c'est pas évident. Ouais. C'était la même chose pour le ski de fond. Par contre, on va toujours à la vitesse de la personne la plus lente du groupe. C'est souvent un élève. Alors, normalement, ça va assez bien. Mais il faut quand même préparer les parents adéquatement, leur dire de quoi il s'agit, leur demander c'est quoi, qu'est-ce qu'ils sont, à quoi eux s'attendent, puis leur dire c'est quoi que tu aimerais que ce soit leur rôle. Oui. Mais généralement, ça va assez bien. Puis une chose que je me demandais quand tu racontais, quand tu parlais de ces expériences-là, les élèves qui sont, par exemple, en 9e année, quand ils repensent aux expériences en vélo, par exemple, qu'ils ont eues avec toi, est-ce qu'ils se rappellent des apprentissages à propos du vélo, comme les rapports, les distances, vitesse, etc., ou est-ce qu'ils se rappellent seulement d'avoir fait du vélo? Je dirais que c'est un peu des deux. Alors, OK. il y a quelques élèves qui vont se souvenir de ah, l'activité, on a fait du vélo, c'était le fun. Oui. D'autres élèves vont dire ah, on a appris ça, oui, on avait fait ça quand on avait fait de l'activité du vélo. Alors, j'ai un peu de rétroaction des deux côtés, là. Ouais. OK. Mais j'ai des élèves aussi de la 11e, 12e année, des élèves qui sont maintenant des parents qui se souviennent des activités et de certaines choses qu'on a appris. Ah. Et que moi, j'avais totalement oublié. Ils m'ont dit, tu te souviens quand tu avais appris ça? Ah, ouais, OK. Oui. Ah, ben ça, c'est bien parce que ça démontre quand même le lien entre l'expérience puis de vivre l'expérience puis comment, de quoi tu vas te souvenir par la suite puis qu'est-ce qui va rester. Donc, si après, ils reviennent quelques années plus tard. D'engager des élèves dans ce qu'ils font. Hein? Et, en étant dehors, en faisant des choses, en participant à des activités, ils sont beaucoup plus engagés qu'assis dans la salle de classe. On peut les engager dans sa classe, c'est ce que je dis, mais c'est plus facile de les engager à l'extérieur, dans un autre milieu que la salle de classe. C'est souvent plus facile de les engager. Parce que Et. j'imagine quand ils reviennent à l'intérieur de la salle de classe, puis qu'ils doivent travailler avec les données ou les informations qu'ils ont ramassées, est-ce que tu vois qu'ils sont plus engagés à mettre ça dans leurs documents ou à créer, peu importe ce que tu leur avais demandé de créer en salle de classe? Oui, puis ils ont souvent une meilleure idée de ce qu'ils doivent faire aussi et comment le présenter. Parce que souvent, je leur donne la puce à l'oreille. Hein? Je dis, OK, ça c'est telle donnée. Quel type de graphique, d'après toi, serait le meilleur pour présenter ces données-là? Ça, je vais Oui. peut-être leur dire dehors, 2 jours plus tard ou le lendemain, on va toucher aux données. Mais ils ont eu ça à l'oreille, certains, pas tous, Oui. certains ont eu la chance d'y réfléchir. Alors, arrivant en classe, des fois, le processus est plus rapide.
pour choisir comment interpréter les données ou comment les présenter. Ah, super. Puis, en fin de compte, qu'est-ce que les rétroactions que tu reçois de tes élèves par rapport à ces activités-là? Je sais que tu en as mentionné un petit peu ici et là, mais en gros, qu'est-ce que les élèves en pensent de ça? De façon générale, c'est très positif. Il y a toujours quelques élèves qui vont se plaindre de ah, il fait froid ou. Mais l'année suivante ou quelques mois après, c'est pas ça dont ils vont se souvenir. La plupart du temps, ils vont Ouais. se souvenir de l'activité ou de ce qu'ils ont fait. Mais c'est sûr. Ou ils disent ah, c'est trop fatigant ou j'ai faim. Mais ça, c'est. Tu auras toujours ce type de commentaire-là. C'est sûr on demande aux élèves de bien s'habiller, de bien se préparer, d'amener une petite collation, quoi que ce soit, mais quand même. Mais de façon générale, c'est positif. J'ai jamais eu d'élèves qui ont dit, ah non, je vais pas recommencer, je vais pas faire l'activité. La plupart veulent continuer à faire ce type d'activité-là, d'une manière ou d'une autre. Puis, comme je disais, j'ai des élèves qui ont quittés, qui sont maintenant des parents ou des jeunes adultes que je vois des fois dans la communauté. Puis, c'est ça, souvent ils me parlent de ça. Ah, tu te souviens quand tu nous avais amené là ou quand on a fait ceci? Alors, je suis toujours encourageant de recommencer et de continuer. On sait qu'on est sur la bonne voie quand on a des commentaires comme ça. Puis aussi, c'est comme enseignant aussi, puis auprès des élèves aussi. Beaucoup de ces activités-là permettent d'être créatif, permettent aussi, ça encourage aussi la débrouillardise auprès des élèves. J'ai amené les élèves pêcher à la mouche. On a fait des camps de pêche avec des longs morceaux de bambou. Alors, j'avais présenté un modèle, puis des élèves qui ont juste copié le modèle, qui était correct, c'était mon but. Mais il y a d'autres élèves qui ont demandé s'ils pouvaient faire quelque chose de différent. Puis, justement, ça a encouragé ça et j'ai dit, oui, ben pourquoi pas. Et c'est la même chose au niveau des mouches. Les élèves aussi, certains élèves peuvent amener leurs propres expériences ou leur propre expertise. Oui, c'est vrai. Il y a des élèves qui en connaissent sur certaines choses et sont en mesure d'enseigner au reste du groupe. Aussi, lorsqu'on va à l'extérieur, comme moi, je les amène justement à faire du camping ou des randonnées. On pratique des nœuds en classe des fois avant, puis à l'extérieur, on va pratiquer à faire des nœuds pour tendre des toiles, faire des petits abris, des choses comme ça. Souvent, je vais montrer à deux ou trois élèves comment faire des nœuds et je leur demander d'aller enseigner aux autres élèves comment faire des OK. nœuds. Et là, ça multiplie le nombre de nœuds que je peux leur enseigner. Alors, ces trois, quatre élèves-là deviennent des experts, enseignent aux autres. Alors, après ça, je vais prendre trois ou quatre autres élèves. Je vais leur montrer, par exemple, un autre type de nœud. C'est Ah. pour les à autre. Alors, allez l'enseigner maintenant. Alors, ça, c'est les groupes d'experts pour ces nœuds-là. Et la prochaine sortie, c'est des élèves qui ont oublié comment faire des nœuds. Allez voir les trois, quatre élèves qui étaient les experts parce qu'eux autres l'ont enseigné. Je leur ai enseigné, ils l'ont appris, ils me l'ont démontré, ils sont allés l'enseigner. Alors, eux sont plus en mesure de s'en souvenir que les autres. Oui. Alors, c'est une façon de vous dire, ben, c'est quoi le rapport avec les nœuds puis l'apprentissage des sciences ou des maths, quoi que ce soit? Ben, il y en a plusieurs, moi, je ne les énumérerai pas toutes, mais en utilisant une corde, on peut faire justement la mesure de la corde, on peut trouver la médiane, on peut faire des nœuds qui vont permettre de tendre des cordes. Alors, quand on va parler de poulies, quand on va parler de système de palan pour certaines forces, c'est utile de savoir ces nœuds-là pour justement mettre en pratique ces activités-là ou ces démonstrations-là. Et quand ils reviennent en classe, on fait un système de poulie double ou un système de poulie triple, puis on essaie de calculer le gain mécanique, par exemple. Il y a des élèves qui savent pas faire un nœud avec une ficelle pour mettre un poids de 500 grammes ou 1 kilo, et que ça, c'est une question de sécurité, de savoir faire un nœud. On va pas lever un poids de 500 grammes à 2-3 mètres dans les airs, parce que si ça tombe, ben ça peut briser quelque chose, si ça tombe sur quelqu'un, mais ça peut faire mal à quelqu'un. Ouais. Il y a toutes sortes d'applications comme ça qui sont
des fois indirectement reliés, mais qui sont quand même pratiques. Ouais. Et qui vont toucher des résultats plus transdisciplinaires ou encore des mesures de sécurité nécessaires. Ah, fantastique. J'aime vraiment les différentes idées que tu as mentionnées, puis les différentes applications. Puis, comme je sais que ça fait quelques années qu'au niveau de la 7e, 8e, on a essayé d'intégrer justement ces matières-là pour pouvoir permettre aux élèves de les vivre plus en profondeur, puis dans différents contextes. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu faisais quand même avant, dans un sens? Oui, oui. Sans nécessairement avoir le matériel, ça, c'est une autre chose. Je veux dire, j'ai toujours amené des élèves à l'extérieur faire des randonnées. Pas besoin de beaucoup de matériaux pour des randonnées. Et souvent, je les amenais en camping en fin d'année, mais ils prenaient leurs propres matériaux ou leur propre équipement de camping où on demandait à des connaissances, des amis ou à la communauté pour emprunter du matériel. Dernièrement, j'ai fait quelques projets PDAF avec le syndicat pour avoir du matériel un peu plus spécialisé, pour avoir un sac à dos de guide pour l'enseignant avec une trousse de premiers soins, pour avoir certains outils de base, etc., etc. Des toiles. Le programme de vélo, j'ai réussi à avoir de l'argent pour acheter des vélos. Beaucoup d'élèves ont leur propre vélo, mais il y en a beaucoup, c'est surprenant, il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Quand moi j'étais jeune, tout le monde avait son vélo. Tout le monde faisait du vélo. Tout le monde, au moins, savait faire du vélo. Il y avait au moins un vélo dans la famille. Oui, ça c'est vrai. C'était pas le tien, c'était celui de ton frère ou de ta sœur. Mais il y en a beaucoup maintenant qui n'ont pas de vélo. Ça fait qu'ils ne savent pas faire du vélo. Alors, c'est ça. Alors, ramasser un peu d'argent, trouver des fonds pour avoir un peu d'équipement. J'ai trouvé que c'était important. Alors, avec les années encore, j'accumule un peu d'équipement chaque année. Et c'est ça. Je voudrais avoir telle chose, mais je ne peux pas. Alors, mais des fois, on peut trouver des ressources ailleurs. On peut emprunter. Il y a des écoles qui en ont. Il y a des associations qui en ont. Il y a des organismes comme les scouts, des fois, ont de l'équipement de disponible. Des fois, les cadets ou la réserve peuvent avoir. Ils peuvent avoir des clubs de vélo. Et si on n'est pas spécialiste, si on ne connaît pas, justement, les clubs de vélo sont bons pour ça. Souvent, il y aura des spécialistes là-dedans, des personnes qui savent faire plaisir. Souvent, des personnes retraitées, ça leur fait plaisir de venir en classe puis de faire une petite formation. On n'a pas besoin d'être expert dans un domaine pour faire vivre une expérience auprès des élèves. Il faut juste essayer d'établir un lien avec ce qu'on fait en classe, puis et ça suffit. Alors, c'est un peu d'organisation, mais c'est pas insurmontable. Puis il y a plusieurs personnes qui sont là aussi pour faciliter ce genre d'activité-là, si quelqu'un veut les faire. Mais encore, là, c'est toujours petit à petit, travailler avec ses passions, travailler avec ce qu'on aime faire. Puis aussi, en les faisant, on découvre aussi. Moi, je ne peux jamais être un apprenant, peut-être moins dans la salle de classe, mais j'aime lire, je suis un peu autodidacte aussi. Puis je crois que la plupart des enseignants le sont, moi. On est là pour ça. On travaille dans ce domaine-là, l'apprentissage. Oui. Alors, des fois, en préparant des activités, on en apprend plus. Par exemple, le ski de fond. Tu parlais du ski de fond. Moi aussi, je faisais du ski de fond, mais c'est en m'informant que j'ai réussi à voir, en faisant une petite recherche. OK, ben le ski de fond, c'est pas juste deux morceaux de bois ou deux morceaux de sur lesquels on glisse. Il y a plus que ça, là. Oui. Alors, il y a des liens à faire aussi avec la littératie. Hein. On peut faire des recherches historiques demande aux élèves de faire des recherches techniques sur, par exemple, on parle du ski de fond, on fait une petite recherche sur l'évolution du ski de fond ou l'évolution de la raquette. Et au Canada, on a plusieurs, on a une histoire assez riche, avec aussi avec les pays nordiques de l'Europe, en ce qui a trait aux raquettes, en ce qui a trait au ski. Ouais. On peut aller un peu plus loin, on peut pousser la chose un peu plus loin, on peut parler des traîneaux, des luges. Après ça. Ça fait vraiment un bon lien aussi avec les référents culturels
de notre région. Oui, exactement. Exactement. Il y a toutes sortes de références. C'est, si on commence à parler de ce qui à l'eau, aux moyens de transport maritime, il y a beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là. Amener les élèves, et là, il faut avoir certaines permissions, j'imagine, mais amener les élèves sur un bateau de pêche ou même un quai pour expliquer, pour visiter un bateau de pêche. Il y en a que leurs parents, c'est des pêcheurs, mais c'est pas tout le monde. Pour voir c'est quoi un treuil, pour voir c'est quoi, comment le moteur fonctionne, pour voir les systèmes de réfrigération, quand on parle de, encore au niveau de la chaleur, comment on fait pour conserver les, je sais pas, les poissons au frais. Alors, les pêcheurs sont riches en connaissances aussi à ce niveau-là. On peut aussi, au niveau de la technologie, parler aussi de la température de l'eau. Pourquoi les pêcheurs vont pêcher, les pêcheurs de homards vont pêcher près de la côte ou loin de la côte, ou pourquoi ils s'éloignent, tout dépendant des régions, c'est différent, là. Mais il y a des raisons à ça. Il y a des apprentissages à faire à ce niveau-là aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, ça veut dire, mais c'est quelqu'un qui a l'opportunité de le faire. Dans certaines écoles, c'est possible, dans d'autres, peut-être moins. Mais oui, c'est des liens qui sont forts. Oui. Le kayak de mer, il y a des sorties à faire, des sorties vraiment intéressantes à faire en kayak. Quand on parle des écosystèmes, si tu peux amener des élèves en kayak, il y a une multitude d'activités possibles. Une randonnée pédestre, hein, une promenade dans le bois à pied aussi. Mais si tu arrives avec des... On est entouré d'eau, alors en profiter, ce serait... pas en profiter, ce serait grave. Oui, absolument. Il y a beaucoup d'armateurs qui sont spécialistes et qui peuvent accommoder des groupes. Il s'agit de créer ces contacts-là. Ils sont souvent vraiment contents d'avoir des classes parce qu'il y a très peu de personnes qui en profitent. Mais en province, plusieurs compagnies, justement, là, qui offrent des cours de kayak ou des sorties en kayak. Alors, c'est une question monétaire aussi. Il faut souvent payer pour ces choses-là. Mais si c'est quelque chose qui est prévu à l'avance, normalement, c'est pas des coûts qui sont exorbitants non plus. Si on prévoit le coût un peu à l'avance. Oui, normalement, normalement, tu vas faire ça en fin juin, début septembre, quand l'eau est encore chaude. Début septembre, octobre, ça va. Fin juin, ça commence à être chaud. Mais... Oui. Pas encore quoi, disons. Oui. Ben, je pense qu'on va conclure ici parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. De ça, c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé les points que tu as mentionnés par rapport à vraiment aller petit à petit, de ne pas vouloir tout changer immédiatement ou d'un coup. J'ai aussi aimé ton message d'aller avec les passions. Alors, pour toi, c'est certain qu'on voit que l'extérieur, c'est aller à l'extérieur, puis les sports ou des activités à l'extérieur sont importants pour toi, puis tu le fais vivre avec tes élèves, mais pour un autre enseignant ou une autre enseignante, ça pourrait être quelque chose d'autre, puis c'est correct aussi, tant qu'on peut aller faire ces liens-là exactement, avec l'enseignement. Il y a des musiques qui veulent à l'extérieur, il y a toutes sortes d'opportunités de faire de la musique à l'extérieur, avec des outils extérieurs. Alors, tu peux aller sur une plage, trouver des morceaux de bois, des roches, faire de la percussion, des galets, frotter sur des galets, puis établir toutes sortes de rythmes comme ça au niveau des profs d'art ou pas des profs d'art, ça peut être juste des gens qui doivent enseigner l'art. Tu peux faire de l'art, ce qu'on appelle de l'art temporaire sur du sable, de l'art avec des feuilles, avec des roches, avec toutes sortes de choses. Et tu peux aussi incorporer là-dedans les activités d'expression orale quand tu demandes aux élèves d'expliquer c'est quoi leur œuvre puis pourquoi ils l'ont fait. Tu peux leur donner des défis, par exemple. Tu peux leur demander, ah, on vient d'étudier au sujet des écosystèmes, on vient de parler des animaux, de la chaîne alimentaire. Tu peux dire aux élèves, allez inventer un animal que vous allez représenter avec des branches, des feuilles, des roches, n'allez pas couper des branches d'arbres, arracher tout ce qui est mort par terre. Représentez-le avec tout ce qui traîne et
Ensuite, cet animal-là, vous devez le placer et l'expliquer. Expliquer son, comment il vit, pourquoi il vit, de quoi il vit. Est-ce que c'est un prédateur, est-ce que c'est une proie, ou est-ce que c'est un prédateur et une proie, est-ce qu'il est carnivore, est-ce qu'il est omnivore? Et là, les élèves, là, c'est l'imaginaire, hein? Ils vont inventer quelque chose, ils vont faire une petite œuvre d'art, on peut prendre des photos, ils peuvent le présenter là, ils peuvent le présenter plus tard à leurs parents dans un PowerPoint. Alors, il y a toutes sortes d'opportunités, c'est de voir, OK, j'ai une chose, c'est se donner comme défi, avec cette activité-là ou avec cette idée-là, faire des toiles d'araignée d'activité avec, partir, OK, comment je peux le présenter, comment je peux le montrer, quelle autre façon je peux le montrer. Et demander aussi aux élèves, souvent les élèves ont toutes sortes d'idées, tu vois, ils ont des meilleures idées, en fait. Oui. Ouais, alors, ouais, c'est ça. Alors, oui, c'est puis pas juste. Aussi, tu mentionnais qu'il y a toujours des occasions de pouvoir le faire. Donc, peut-être qu'on va commencer petit, peut-être qu'il faut aller essayer de trouver des organismes ou des gens de l'extérieur qui peuvent nous aider, mais j'imagine avec les agences scolaires communautaires, c'est des personnes qu'on peut aller contacter qui peuvent nous aider à trouver ces liens-là aussi autour de nous pour... Visiter une ferme, il y a souvent, nous, on est comme il y a quelques parents qui ont des fermes. Ah. C'est pas aller faire du plein air dans la forêt typique qu'on voit sur une ferme, mais c'est quand même du plein air, c'est quand même Ouais. beaucoup de liens à faire, que ce soit en maternelle, première, deuxième année, ou encore un niveau plus avancé, en 10e, 11e, 12e année, ou en 7, 8. Il y a toujours des liens à faire avec le programme sur une ferme, que ce soit c'est-à-dire, il y en a, là. Il y en a, là. En Oui. chimie, en bio, en n'importe quoi. Alors, ouais, c'est ça. Alors, c'est d'utiliser ce qu'on a dans la communauté. Aussi, Oui. t'as pas besoin d'être grand, on peut aller juste planter des tuiles d'or, faire un petit jardin avec... ça, je l'ai déjà fait avec les élèves de la première année. J'avais les élèves de la première année une année. Et j'ai fait le même projet que mes élèves de la 7e année. C'était le même projet, on allait planter des tulipes, mais à différents niveaux. OK. La même activité, mais à différents niveaux. Ah ben, en tout cas, j'aimerais vraiment te remercier d'avoir accepté mon invitation à venir dans mon cadre de porte. Puis, je suis certaine que toutes les choses que tu as mentionnées aujourd'hui vont inspirer d'autres enseignants à peut-être sortir un petit peu de leur zone de confort puis d'essayer quelque chose de différent ou les motiver à penser « Ah, ben moi, je suis déjà en train de faire ceci », c'est-à-dire j'entends d'autres personnes qui le font, donc je suis content ou contente de savoir que je suis pas la seule personne qui est en train de faire des choses comme ça. Alors, merci beaucoup pour cette conversation-ci. Puis, à tous ceux qui nous écoutent, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ce balado.